ce mardi matin. Alors, nous sommes mardi 8, je ne sais plus, 6, 7, 8. Nous sommes mardi 8 janvier 2019 et retour de course. Alors, je viens de passer à Intermarché, mais avant cela, je suis allée à Aldi. Alors, on va commencer par Intermarché. Les bananes, elles sont pratiquement mûres, donc je pense que demain, le poulet banane sera en vidéo. Enfin, demain. Non, après-demain pour vous, mais demain, par rapport à cette vidéo, et parce que la vidéo, je m'en mêle les pinceaux, je m'en mêle les pinceaux. Donc, les bananes là, elles sont mûres et je pense que demain je peux faire le poulet banane que je vous avais promis. Donc c'est parti mon kiki, on commence par Intermarché. J'ai pris de quoi déjeuner ce midi, j'ai pas envie de me casser la tête. Hein. On va prendre des pains Yaris, donc c'est de la mie de pain et j'ai pris, on va laisser ça où? On va laisser ça ici puisque après je vais mettre sur la table. Ouh. Pour pas perdre, pour vous donner les prix, hein. Je mets vite dans ma poche. Alors, j'ai pris des rosettes de la marque Ranou. Là aussi, je ne sais pas si on a le droit de dire les marques. Là, en ce moment, je ne sais plus avec YouTube. Du chorizo, et là, c'est fort. Et les jumeaux, ils adorent, malgré que ce soit fort. Hein. J'ai pris, pour faire plaisir à mes enfants, il y avait une promo dessus. De combien, je n'en sais rien. Ce sont des danettes, et dedans, il y a des espèces de petits Smarties. J'ai envie de voir la promo, dis donc. Rien à voir, hein. Rien. Bref, voilà. Ensuite, je me suis pris mes petits fromages favoris que j'adore. Ce sont des fromages aux herbes. Donc ça, c'est Intermarché. Donc là, avec ça, on a fini. Ça, ça va mettre dans mon sac et on va commencer Aldi. Aldi, j'ai pris des œufs. J'ai repris des œufs parce que j'ai envie de faire des crêpes avec les enfants. Je sais pas, j'ai une envie comme ça de faire des crêpes. Pour le petit déjeuner de mon fiston, du jus d'orange. Pour les petites toilettes, les petites fesses, etc., du papier toilette. En ce moment, ma fille réclame de la glace. Alors, ma fille, c'est un peu comme son père. Hein. Elle qui fait froid, qui fait chaud, elle veut de la glace. Donc, j'ai pris ceux-là. C'est six cônes. Vous avez six cônes. Des cônes. Cônes. C'est six cônes. Rien dire. Six cônes. Fraise vanille. Et ici, vous avez chocolat pistache. Donc ça, est-ce qu'il y a de la place? Oui, il y a de la place. Donc je pourrais mettre dedans. Et vous avez aussi de la glace vanille. Pour aller avec les cornets de mon fiston. Pourquoi j'ai refermé le frigo? Non mais... J'ai repris des ananas. J'aimerais bien refaire la recette avec vous. Je vais encore la retester parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais fait la tarte à l'ananas de ma maman. C'était bof bof. Du fromage blanc 0%. En fait, je cherchais sur la vanille et on n'avait plus. Aujourd'hui, mon Aldi était vide. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je vais reprendre les retours de course le lundi? J'en sais rien. Mais vu que les promos commencent le mardi, allez, je continue le mardi et puis on verra l'année prochaine. Donc, j'avais besoin de stylos à pointe fine. Alors ça, ça a été 1,99€. Dedans, vous avez 4 stylos noirs. C'était les stylos noirs que j'avais besoin pour mon bullet journal. De la viande hachée. Oh, décidément, mais... Mais restez dans le frigo, dis donc. Restez dans le frigo. Voilà. Ensuite, du jambon supérieur sans couen. De la dinde. Pour ce midi, en fait, je vais faire un essai de plateau repas, en fait, un plateau avec plusieurs charcuteries, avec de la mie de pain ou du vrai pain, et puis après, chacun se débrouille pour ce midi. J'ai pris du saucisson à l'ail, j'ai pris du saumon pour moi, en fait, c'était en promo, enfin, promo, une réduction parce que c'est les dates limites dues à partir d'hier, quoi. Enfin, bref, moi, je mange.
Le souci, c'est qu'ils en ont une tonne, hein. Voilà, je crois qu'ils ont trop commandé, que c'est pas parti pour les fêtes. Et pourtant, c'était les moins chers, c'était super bon. J'ai pris de la salade de fruits comme ceci, je sais, je sais, je sais. On peut les faire, les salades de fruits, mais bon, après, pour moi, ça revient vachement moins cher d'acheter comme ça. J'ai pris les duos choco et lait, crème dessert. Mozzarella, j'en ai pris qu'un, c'est pour le tien de mon monsieur et moi pour jeudi. J'ai repris un cornet de bœuf pour laisser dans le placard. J'ai repris les fameux yaourts nature de mes enfants. Sauf que là, j'en ai encore, donc ils auront intérêt de manger ça ce midi. Mais je sais que ma fille va réclamer ses glaces. Mais bon, on fera un gâteau yaourt. Des gâteaux yaourt, du coup. D'habitude, je les prends bio, les. Pardon, les biscottes. J'espère que je vais pas tomber malade, dis donc. Biscottes! Dedans, vous avez 4 paquets. Et il y en a 72 biscottes à l'intérieur de fromage. C'est super bon. Alors, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'aiment pas quand je prends ça. Ce sont des pains au chocolat. Moi, je mange pas. C'est mon mari qui prend pour le boulot, en fait, le matin. Ben, le matin, mon mari n'a pas le temps de déjeuner. C'est pas qu'il n'a pas le temps, c'est qu'il se lève pas assez tôt pour pouvoir aller au boulot. Les brioches pour mes petits bouts. Là aussi, c'est pas bon pour mes petits bouts. Je devrais le faire. J'ai la machine à pain et tout, quoi. Mais la grande feignasse. Des tomates pour ce midi. Ce midi, on va se péter le bidon. Alors, j'ai repris. Ça aussi, je sais que c'est pas bon pour les enfants. J'ai vu une émission dessus où c'est bourré de sucre. Voilà. Mais bon, après, je vais pas acheter le chocolat sans sucre pour les enfants. Enfin bref, faudrait que j'essaie. Je vais tenter le coup. Mais bon, on verra bien. Donc, j'ai pris du Nesquik. J'espère que c'est le vrai et le bon. Parce que là, en ce moment, c'est goût noisette que je mets dans le biberon de ma fille. Je suis tombée sur le Peanut Butter Creamy. En fait, c'est du beurre de cacahuète. Et celui-là, c'est crème et le vert. Je sais plus c'est quelle couleur, vert ou rouge. Et dedans, c'est les crunchy. C'est un peu croquant parce qu'il y a des pépites de cacahuètes. Moi, j'aime pas les pépites de cacahuètes. Enfin bref, là, on va tester celui-là. Voilà, moi, j'adore le beurre de cacahuète. Confiture à la fraise, ça, c'est pour mon monsieur et mes enfants qui adorent ça. Il nous reste combien, là? Ça, c'est le mien. Ça, c'est le mien aussi. Il en reste pas. Donc, je suis fini dans le frigox. Citron et bien entendu mes concombres, hein, des courses de France tous les mardis ou anciennement les lundis, faire un retour de course sans concombre. Allô. Allez, pour terminer, j'ai repris un pack de lait, mais là je crois que j'ai une tonne de lait, quoi, mais bon, c'est pas perdu, donc oh, et un pack d'eau. Donc voilà pour ce retour de course. J'espère que ce petit retour de course, enfin petit, j'espère que ce retour de course vous aura plu. Nous, on se retrouve pour un prochain retour de course, ben, mardi prochain. Et puis quant à moi, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et je vous dis à demain.